ben bakalım. Antetik. Alan mezon bu boulet sur le match de football. Vous appuyez sur le contact du téléviseur. Et ce dernier ne s'allume pas. Vous vous précipitez pour allumer la lampe. Que voulez-vous vérifier? Vous voulez vous vérifier? Il y a du courant électrique. Alors aujourd'hui, le prix de notre cours, c'est le courant électrique. Chapitre. La nuit, on utilise une lampe appelée lampe torche. Vous connaissez la lampe torche? Oui. On l'appelle aussi lampe de poche. Oui. Alors, quels sont les éléments qui sont à l'intérieur d'une lampe torche? Oui. Les fils? Oui. Les fils? Oui. D'abord, oui, toi, Emmanuel? Des fils, c'est déjà écrit. Pile. Oui, par là. Ampoule. Oui, contact. Contact. Pour aller vers la lampe, qu'est-ce qu'on fait? Attendez, je vais dessiner ici les éléments. Les éléments ici. Voici l'ampoule. Je dessine le contact ici. Contact. Assez. La pile. On veut allumer cette lampe-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui manque ici dans cette... Il manque quelque chose, hein? Qu'est-ce qui manque? Fil. Qu'est-ce qu'on fait? On réunit, hein? On réunit les éléments. Avec son support.
L'appareil qui est là est un interrupteur. Il joue le rôle de contact. Il sert à ouvrir et à faire et fermer le circuit. Et vous avez ici ce qu'on appelle des fils. On les appelle des fils de connexion. Ils servent à relier les différents éléments. Alors, quand vous regardez ici, vous allez voir que ces éléments, cet appareil-là, il a des... On appelle ça des bornes. Il a des bornes. Ici, on va brancher des fils. C'est des bornes. Hein. Celui-là a trois bornes. La lame a deux bornes. On appelle ces bornes-là, borne entrée, l'autre borne, borne de sortie. Et là aussi, pour l'interrupteur, c'est la borne qui est au milieu qu'on appelle la borne de borne d'entrée. Les deux autres sont des bornes de sortie. Et pour le générateur a deux bornes, mais là on parle de borne positive et de borne négative. Borne positive, borne négative. Alors ces appareils-là, on les appelle des dipôles, parce que tout simplement, ils ont au moins de 2 dipôles. Hein. On les appelle deux bornes. On les appelle des dipôles. Alors maintenant, nous allons réaliser ce montage-là en utilisant ce matériel. Alors, un élève vient au tableau. On va en faire. C'est le tableau. D'abord, tu branches, prends le fil, un fil. Branche le fil au niveau de la borne positive du générateur. Générateur. Branche. Oui, branche le fil au borne d'entrée. Très bien. Prends un autre fil. Branche le fil au niveau d'une borne de sortie. La borne de sortie du générateur. Borne de sortie, tu branches dans l'une des bornes, borne d'entrée de la lampe, borne d'entrée de la lampe, prends une autre fil, branche sur la borne de sortie et la borne négative du générateur. Alors ici, on a un contact. Hein? M signifie marche, A signifie arrêt. Hein? On met en marche le générateur. Bon, regardez, il avait déjà fermé. L'interrupteur était déjà fermé. C'est pour ça que ça s'améliore quand même. Après avoir mis en marche le générateur, maintenant on ferme l'interrupteur. Et on constate quoi? On constate que la lampe s'allume. Alors cela dit que le courant a traversé. Le courant a traversé la lampe. Bien, ainsi, ça passe. Alors, maintenant, nous allons essayer de dessiner la notion de circuit électrique. Ce que nous avons là, c'est un circuit électrique. Si vous regardez bien, c'est comme une chaîne, hein? N'est-ce pas? On a une chaîne ici, hein? C'est une chaîne. C'est une chaîne de quoi? C'est fermé, n'est-ce pas? Hein? C'est fermé, c'est pas interrompu. C'est une chaîne ininterrompue. Ininterrompue de. Ça, ce sont des éléments. Hein? Ininterrompue d'éléments reliés entre eux par des fils. Des connecteurs, on les appelle des connecteurs. Et comportant au moins. Un générateur. Nous allons montrer ceci. Mettez grand 1, le circuit électrique. Le circuit. Le dessin.
vous mettez dans les définitions. Reliés entre eux par des fils connecteurs. Alors, là aussi, est-ce que vous pouvez me donner des exemples de générateurs?
un appareil qui produit du courant électrique. Un appareil. Oui. La batterie très bien. Les machines. Quelle machine? Moteur. C'est la batterie qui fournit le courant. Hein? Le moteur, c'est un récepteur. Hein? Le moteur de courant, c'est bon. Vidéo, c'est un récepteur, reçoit du courant. Vous connaissez le groupe électrogène? Le groupe électrogène fournit du courant électrique. Et la pile, on l'a donné tout à l'heure. Hein? Alors maintenant, nous allons noter les éléments d'un circuit électrique. Mettez un doigt, les éléments d'un circuit électrique. Un doigt. Les éléments d'un circuit. Un générateur. Générateur au tableau. Un générateur. Un générateur. Deux points. C'est un appareil qui fournit. C'est un appareil. Qui fournit le courant électrique. C'est un appareil qui fournit le courant électrique. C'est un appareil qui fournit le courant électrique. Point. Alors, un exemple. Une pile, point de vue, une batterie, un groupe électrogène. Un groupe électrogène. À la ligne tirée. Un récepteur. C'est un appareil qui reçoit et transforme le courant électrique. Il reçoit et transforme le courant électrique. Point,
exemple. Ampoule. Des piles de connexion. Ils servent à relier. Ils servent. Ils servent à relier les différents éléments d'un circuit électrique. Les appareils utilisés. Les appareils utilisés. Les appareils utilisés. Dans un circuit électrique. En général,
avec en général deux bornes d'utilisation. Deux bornes d'utilisation. Deux bornes d'utilisation. Deux points, ce sont des dipôles. Deux points, ce sont des dipôles. Alors, pour faciliter le raisonnement, les physiciens sont convenus de représenter ces appareils par des symboles normalisés. Chaque symbole, chaque appareil est représenté par un symbole. Le générateur est représenté par ce symbole-là.